Ah, coucou tout le monde, c'est Phoenix Baldos et on se retrouve pour un nouvel épisode sur la bataille pour la Terre du Milieu. La dernière fois, souvenez-vous, nous étions arrêtés normalement à Amon N, où nous avons pu du coup sauver Boromir de la mort. Et aujourd'hui, du coup, nous allons défendre le gouffre de Helm. J'ai passé les deux épisodes précédents à être avec Éomer pour fortifier l'armée. Et voilà. Et l'armée de Saruman a été repoussée dans presque tout l'or. Mais si la forteresse du gouffre de Helm cède, Sauron pourra triompher de tous. Donc voilà, du coup on est, voilà, j'avais dû faire je ne sais plus trop quoi, mais bon. Vous voyez qu'une bonne partie du rang est redevenue et a été défendue. Aujourd'hui du coup, on s'apprête à vivre ensemble pour la grande bataille du deuxième film, là. Gouffre de Helm contre, alors il doit y avoir quand même, je sais pas combien, on a de 950, voilà, Rook et Éomer arrive, voilà, j'ai vraiment augmenté les héros rimes d'Éomer pour être sûr que les renforts puissent pas mal intervenir. Le gouffre de Helm est le fort le plus puissant du peuple du Rohan. Il l'a toujours protégé. Et donc on va essayer de résister assez longtemps avant que les renforts arrivent. L'armée d'Isengard qui s'est déchaînée. Alors ça va être une course contre la montre. Concentrez nos forces derrière le mur. Barrez la porte et établissez un tour de garde. Que tous ceux qui peuvent porter une arme soient prêts à se battre avant la nuit. Nous défendrons la chaussée et la porte par en haut. Aucune armée n'a jamais percé le mur du gouffre. Donc pitié dans fort le corps. Ils se briseront sur ces murs comme l'eau sur des rochers. Les hordes de Saruman ravageront tout, vous le savez. Derrière ces murs, nous leur suivons. Donc voilà, on a du coup Éomer. Alors, on va commencer directement ici. Et je me rends compte, ouais, qu'on a pas énorme, on commence pas par énormément de... On n'a pas énormément... Et l'armée arrive dans 10 minutes. Oh, on n'a pas assez de ressources. On n'a pas assez de ressources du tout même. Appeler Éomer, ouais, du coup... C'est-à-dire que je peux l'appeler avant? Non. Je ne peux pas l'appeler avant. On n'a pas du tout de ressources. Et il faut que je fasse un... Est-ce que j'ai un... Non, 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 je n'ai pas. Faut que je fasse ça surtout. Oh là 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 là, ça va être terrible. Cela va être très très le terrible. Ouais bah c'est pas grave, du coup va falloir que... Alors, ce qu'on va faire... Parce qu'on a des archers ici, très bien. Bon, c'est pas grave, on va commencer directement du coup par construire des fermes. Merde, j'aurais dû, je viens de faire le con là. Parce que du coup, après rien m'empêche de mettre une statue là et du coup de construire ça après. Les cavaliers, on va les laisser là, ouais, je pense, pour l'instant. Alors, Legolas. Ah, ok, on a un. On a un truc d'archer, c'est ça? Waouh. Bon, du coup. Hop, on va faire un peu. Le problème, c'est que j'aimerais bien avoir mon... Il y a quand même Boromir qui arrive là, qui... On sait pas ce qu'il fait là, mais il est là en tout cas, ça c'est sûr. J'aimerais bien avoir... Ah, une... Un truc afin d'avoir... Afin d'avoir des améliorations, parce que je vais vraiment en avoir besoin. Et surtout que ça coûte cher ça. Je suis en train de boire, c'est important de boire. C'est très important. On va fermer ça. Du coup...
Et les flèches de feu, c'est ici qu'on les a? Ouais, c'est ici qu'on les a. Top. Ah, on peut. On va pas perdre de temps du coup. Hop. Et puis si jamais ça tourne mal, on va faire un truc d'archer ici. Je pense pas qu'une écurie ce soit le meilleur, la meilleure chose à faire. On va avoir des... On va avoir Éomer qui va arriver. Donc du coup... Alors... Là il y a les elfes qui arrivent. Ok. Allez chercher le roi. Les miens arrivent. Les elfes voilà qui arrivent. 1, 2, 3, 4. Ah oui d'accord, 4 qui arrivent. Waouh, merci. Ils sont 4 arrivés. Bon, après, ça reste toujours des renforts non négligeables. Alors c'est l'armure qu'il nous faut surtout. Limite les améliorations. On s'en fiche un peu. C'est l'armure qu'il nous faut à tout prix pour protéger nos armées. Ainsi que les flèches de feu pour les archers. Des ça va être important. Ouvrez les portes et allez guérir le roi. Ils sont où les elfes? Ils sont là, voilà. Donc du coup, les elfes viennent en renfort. C'est beau tout ça, bienvenue. C'est beau. Nous devons quelle nouvelle des elfes? Comment est-ce possible? J'apporte un message du pays des elfes. Oh merde, j'ai pas fait gaffe. Elfes et hommes s'allièrent contre Sauron. Nous venons honorer cette alliance. Nous sommes fiers de combattre encore à vos côtés. Il y a des coffres. Parce que là, je viens de voir qu'il y a un coffre. Alors, est-ce que c'est normal? L'armure lourde est prête. On va du coup prendre ça. Les étendards, je sais pas si je vais vraiment en avoir besoin. Il y a plus que 5 minutes avant que l'armée d'Isengard arrive. Donc du coup, on va fermer ça. Oh putain, ça coûte cher les elfes. On va voir, j'espère que c'est vraiment un gros pactole. Protégez les réfugiés. 400. Oh merde. Les réfugiés, vite. La bataille nous attend. Allons. Quoique. On peut les faire monter, eux. Les nouvelles lames sont prêtes. Le Rohan ne faillira pas. Cavalier du Riddarmar. Toc. Ah, les elfes mettent vraiment trop de temps. Hop, ils sont tous là. Les elfes célèbres contre Sauron. Pour ceux que nous aimons. Ouais. Vite. Hop, si jamais il y a des wargs qui suivent. Ouais. Aux armes. Protégez les réfugiés. Pour ceux que nous aimons. Les wargs qui arrivent. Chevauchons ensemble. Ouais, normalement ils arrivent. Alors on a un réfugié. C'est... Nous devons défendre la forêt. Toc. Nous devons défendre les Toc. Elfes. Toc. Nous devons défendre la forêt. On va quand même en mettre ici. Les flèches de feu. Nous devons tous être armés. Hop, on attaque ça. Et on commence du coup. Soyez vigilants. Bon, heureusement, l'amélioration n'est pas si onéreuse que ça. Une récompense nous attend à l'entrée. Ok. On va mettre les paysans ici. Les cavaliers, on va les remettre. On va les mettre là-bas. On a la fontaine. Plus que 3 minutes. Les flèches enflammées, on va en avoir besoin. Alors, toc. Toc. Alors, ça coûte combien les flèches enflammées? 500, aïe aïe aïe. Terrible. Protégez les réfugiés. Oh, il y en a d'autres. Nous devons faire face à ce mal. L'heure est venue. Ces contrées doivent être défendues. Il y en a d'autres. Préparez vos armes. Avancez. Allons. On va les faire attendre ici. Et dans 2 minutes, ça va être la guerre.
Donc on va d'abord mettre ça pour les elfes. On va donner ça pour les elfes. La porte est pas très bien sécurisée, j'ai l'impression. Donc les elfes. Hop. Les hangars approchent. Donc, les hangars approchent dans deux minutes. On a les armées qui vont arriver. Je pensais qu'on aurait plus de coffres, mais pas du tout. Les elfes. Hop, on va les accueillir directement. Alors, il n'y a pas question qu'il y ait des... Non, pour l'instant, tous les héros, je peux faire mourir les héros. Les héros, c'est pas... Ça va pas être une catastrophe. Voilà. Défendez la porte. Ne laissez personne entrer. Nous ferons de notre mieux. Hop, 300, ça va m'être utile. Je ne crains ni la mort ni la douleur. En deux minutes, je ne sais pas s'ils ont le temps de revenir. Pour aider. Préparez vos flèches. Hop. Préparez vos flèches. Défendez cette zone. Faut vraiment qu'on aille défendre la porte. Gardez bonne allure. Guerrier elf. Que vos pieds soient vifs. Préparez-vous, elf. Ok, là par contre, on ferme tout. Venez mes amis, ne perdons pas espoir. Ne perdons pas espoir. Ok. Et en respect. Restez coupés. Hop. Alors, ça va être là-bas du coup. Eux ils ont une armure. Eux ils ont une armure. Soyez vigilants. On va leur donner une armure aussi. 30 secondes. Et c'est dans un quart d'heure qu'on va pouvoir appeler l'armée du Rohan pour nous épauler. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Hop. Soyez à l'affût. On va les mettre en haut. Partons maintenant. Nous devons faire face à ce mal. Les limites, on va les laisser. Allez. Cavalier du Rohan. Pour avoir du charisme. Une flèche de feu. Pour eux. Alors du coup, c'est... ouais, normalement c'est un choix normal là, donc du coup les Uruka ils vont être un peu... ouais voilà, ils vont être un peu... Normalement ils ont deux camps, ils vont se faire deux camps du coup. Et puis bah ils vont être assez remontés les cocos. Oh là là. Aïe aïe aïe. Une belle armée quoi. Une très très belle armée même. Ouais, juste que j'essaie de les faire à chaque fois reculer. Faut pas que les bombardiers atteignent. Soit les berserkers, faut pas qu'ils atteignent le... J'aimerais qu'ils n'atteignent pas la fameuse bouche d'égout. Nous devons défendre la forêt. Alors est-ce que ce sera possible? Ça, je n'en ai aucune idée. L'ennemi est désormais puissant. Les Théo et Philin. Rassemblez les volumes. On va voir. Non, j'avais que les Golas. Soyez prêts. Ok, ça va commencer. Ouais, ils ont deux camps du coup. Non, là c'est encore des wargs. Donc ils ont pas de camp pour l'instant. Mais ils vont en avoir normalement. Ou alors c'est que quand moi je ne sais plus. Quand moi j'attaque seulement. Allez. Donc c'est surtout les échelles qu'il va falloir. Voilà. C'est les échelles qu'il va falloir que j'attaque. Échelles doivent pas passer. Ouais, elles doivent rester à terre. Ne leur laissez aucun. Ne leur laissez aucun.
Allez. Toutes les échelles sont tombées. Donc là, ouais, eux ils sont un peu plus. Ils sont un peu plus chauds, on va dire. On va peut-être mettre. On va commencer. On va les faire descendre là. C'est vraiment les échelles. Oh là là, il y en a plusieurs. C'est vraiment les échelles qu'il faut que je focus. C'est les échelles vraiment qu'il faut focus. Sans les échelles, les Uruka ils restent à terre. Ils envoient les béliers à la porte. Aussi que je sois. Ouais, ils mènent les béliers, les trucs à la porte. Du coup. Restez vigilants. Avez-vous. S'ils vont à la porte, il faut que j'y aille également. Ils attaquent. Ou que je fasse aussi attention. Où sont les. Je vois pas pour l'instant. Le bélier. Il y en a d'autres qui arrivent. Ah là là, il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu fais là? Vite! Parce que là, ça va vite partir, ça du coup. La porte va vite céder. Ah, mes elfes sont en train de se faire dégommer. Hop. Merde. Détruisez toutes les forces de Lysangar. Ok, ce serait bien si tous les archers. Histoire que je me fasse pas avoir à chaque fois. Peace. Alors, là, y'a quoi? Y'a ça. Oh putain, y'a ça. C'est bon, là, ça va commencer. Ça va être chaud. Ça va commencer à être limite chaud. Venez, mes amis. Par ici, on va se faire amis. Des petits trucs. Histoire que ça tienne. Impossible de recruter davantage. Non, je vais les mettre là du coup. Elf, par ici. Hop. Les féoïphilines. Il faut que je trouve. Il faut que je trouve les poseurs de mines. Putain, ils sont là. C'est voilà. Ils apportent des mines. Fumez les porteurs. Ça reste là. Ne vous laissez pas déstabiliser. Non. Ce ne sera pas. Ça c'est bon. Ils en rapportent pas d'autres. Non. Restez concentrés, ne les laissez pas passer. Décale. Oh fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je décale. Parce que là, ils sont tous en train de se faire. Quoique. Il y a un bélier quelque part. Il n'y a pas de bélier, donc du coup. Par contre ils ont ça. Et ça c'est chiant. Comme la mort. Attendons-nous. Attention.
Voilà le Soyons sa guerre. Écorchez-les. Merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en vois qui me dit là-bas? On va renvoyer qui me dit là-bas. Ça, est-ce qu'ils peuvent l'atteindre? Ils peuvent l'atteindre. D'autres porteurs de mines? Oui, oh, il y a d'autres porteurs de mines. On va les faire revenir. Ah, allez, les mines, où sont-elles? Ok, oh putain, il y en a plusieurs. L'ennemi est sur nous. L'attaque a commencé. Nous sommes venus défendre la terre du milieu. Pour ceux que nous aimons. Faut pas que je perde de vue les mines. Il y en a une ici. Quoi? Oh merde. Eh merde! Ça, c'était tellement prévisible. Oula, faites attention, il reste encore des mines. Allez, on y va! Faut qu'on aille. Ouais, là par contre, on est en train de se faire incroyablement défoncer. Ah, c'est ça qu'il faut que je détruise aussi. Parce que sinon, je vais me faire avoir à chaque fois. Oh, je me suis fait également avoir là-haut. Mais j'ai pourtant de l'armure, je comprends pas. Pas d'armure? Donc allez, je suis en train de me faire défoncer, ouais. On va appeler Eomer dans 3 minutes. Mais là, pour l'instant, c'est bof. Aïe aïe aïe, enculé. Faut reculer, c'est bon, on a tout, on recule. Partons maintenant. Nous sommes venus défendre la terre du milieu. On recule. Non ! Putain, ils ont tué Aragorn. Ils sont où ? Ah, Boromir aussi va tomber. C'est vrai qu'il faut que j'aille vers le donjon, pas vers le... Là, je suis une cible facile, là. J'ai une cible très facile. Bon, on va les faire attaquer, du coup. Parce que là, du coup... Ah, mais what ? J'apporte ça. C'est bon ? Pas du tout. Héroïne. Ok, c'est pas une bonne idée.
Ils vont venir petit à petit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah merde! Je suis con, j'ai rappelé. Bah oui. Je l'ai rappelé. Faut qu'on aille au donjon. C'est bon. Hop, on va tous y aller. Hop. Dans une minute, on a le droit à Homer. Aïe aïe aïe. Allez hop. Ouais, bah c'était une belle débandade hein. Et puis là ça continue. Ouais, j'en ai plus aucun qui va survivre. Allez, tous les héros du coup. Et puis on va en se réfugier, ouais là-haut. On va se réfugier là-haut du coup. Oh merde. Donc il n'y a plus que là en fait où je peux avoir. Qu'est-ce que... Oh punaise. Mais... Bouge. Aïe aïe aïe. Et Win va mourir aussi. Allez, laisse tomber Win. Hop. Allez. Voilà. Parce que là on va en avoir besoin. Allez, on rase tout. Ça, je vais en avoir besoin. Ça va faire plaisir. Hop. On va amener Gandalf là-bas. On va en profiter pour ressusciter. Ah mais à 1900. Ah oui d'accord. Hop. On va raser un peu tout. Hop, premier camp qui va être vite détruit. Ça sert d'avoir du coup des Rohirrim. Et des Rohirrim pas dégueu, hein, ça c'est faut le dire. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là? L'ennemi est devenu plus puissant. Alors, hop, on va les détruire. Ce jour restera dans la mémoire des hommes. Ouais, mais du coup, pas lui. En fait, non. Oh là là, on est encerclé. On est encerclé. Je suis votre capitaine. Hop. On est encerclé de chez encerclé. Bouge. Ah, c'est terrible. Est-ce que on va réussir avant que Win meure? Alors faut détruire. Non, faut détruire toutes les forces de mise en guerre. Hop. Il faut détruire toutes les forces de mise en guerre. Hop.
Ah oui, c'est vrai que je peux pas l'avoir, on est trop nombreux. Eh ben dis donc, ça aurait été terrible cet assaut. Hop, les derniers vont mourir. Voilà, on a détruit tout le monde. Et grâce à Homer et ses Rohirrim, nous avons pu gagner cette bataille du gouffre de Helm. Aïe 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 aïe, c'était horrible. C'était horrible, serré, mais bon, c'était beau. Et bien voilà, ce siège du gouffre de Helm est terminé, nous avons vaincu les armées d'Isengard. C'était chaud chocolat, hein. Très très chocolat. Donc on garde les Rohirrim normalement, ouais. Et on va également garder des elfes, mais bon, ça c'est... Gouffre de Helm défendu du coup. La fille de l'armée de l'Isengard est anéantie. Mais il faut en finir complètement avec Saruman. Et oui, du coup, on assiégera Isengard après. Et bien du coup, c'était cet épisode sur la bataille panthère du milieu. J'espère que cela vous aura plu, cette défense du gouffre de Helm. On aura fait tout ce qu'on a pu. Malheureusement, voilà, ils ont réussi à passer les murs. Mais bon, on a réussi à limiter la casse. Donc la prochaine fois, l'Isengard. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à qui au revoir tout le monde.